C'est un sentiment de joie et de soulagement qui nous anime, qui anime tous les militants, tous les cadres du Front populaire ivoirien, tous les démocrates de Côte d'Ivoire, tous ceux qui se sont battus depuis plusieurs années en vue de la libération du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Nous y avons toujours cru et je voudrais profiter de cet instant pour dire merci à tous ceux qui ont œuvré à cette libération, les avocats de la défense, tous les leaders politiques qui se sont battus, les diplomates, les amis de la Côte d'Ivoire, les militantes et militants qui sont restés mobilisés. C'est une décision qui offre une opportunité à la Côte d'Ivoire de retrouver tous ses fils en vue de la réconciliation nationale. C'est une décision qui va sans nul doute mettre fin à la crise au Front populaire ivoirien, rassembler les militantes et militants, faire l'unité du parti en vue de la reconquête du pouvoir en 2020. C'est une décision qui est attendue et je voudrais vraiment féliciter tous nos militants et tous ceux qui ont œuvré à cette libération. Wow.